En regardant dans nos assiettes, on se croirait presque au Brésil. Mais nous sommes en plein cœur du pays de Beach. C'est grâce à Liliane Scheidler, brésilienne fière de ses racines, qu'on peut déguster ces plats typiques du Brésil. Elle arrive pour la première fois en France en 2009 pour réaliser ses stages dans la restauration. Elle a travaillé à Larnsbourg avec Jean-Georges Klein, puis dans de nombreux autres grands restaurants du Grand Est. Liliane vient récemment d'ouvrir sa table d'hôte, un peu spéciale. Je pensais, pourquoi pas faire une table. Mais je voulais faire une table d'hôte différente. Je voulais présenter le Brésil et retourner aussi à mes origines et aussi à ma formation de base qui était en cuisine. Après, parce que j'étais bien connue dans la région Onsale. Avec cette table d'hôte, vous ne plongez pas seulement dans la gastronomie brésilienne, mais aussi dans l'histoire du pays à travers les différents plats expliqués par la maîtresse de maison. Pendant la Deuxième Guerre, les Japonais se réfugient au Brésil pendant et après la guerre. J'ai toujours accueilli des gens chez moi. J'adore ça. J'adore accueillir les gens et ça me permettrait de connaître les gens, connaître un peu la culture française, comprendre aussi, parce que quand nous sommes en pays, il ne faut pas voir les choses juste pour tes yeux. Il faut s'installer. C'est un concept qui plaît aux grands comme aux petits. J'aime bien. Ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Écoutez, c'est un tout nouveau concept. On n'avait jamais goûté la nourriture brésilienne. Et franchement, nous sommes très surpris. C'est vraiment très goûteux, très distingué. Vraiment de très bonne qualité. Et les produits sont aussi de très bonne qualité. On le sent dans le plat, dans tout ce qu'on a dégusté jusqu'à présent. Je me suis laissé embarquer par ma femme qui m'a dit qu'il fallait qu'on essaie ce concept-là. Et c'est vrai que c'est enrichissant parce que tous les plats sont expliqués par Liliane. Elle nous parle de son histoire, de l'histoire des plats, de l'histoire des produits. Et non, c'est une belle expérience. Je trouve que c'est bien et que j'ai jamais goûté autre chose que les repas français. Du coup, je préfère les repas brésiliens que les repas français. Liliane peut accueillir chez elle de 4 à 12 personnes. Mais pas de panique, si vous êtes plus de 12, elle propose également de venir jusqu'à vous.